On dirait il y a pas longtemps parler de cette belle île. On dirait un petit caniche. Sur internet. On dirait un petit caniche, le noir. Ouais. Et le gars, il est en train de toucher, on n'a même pas le droit. Oh, des bébés. Oh. Regarde, elle est trop belote, elle. Hein? Elle est trop belote. Il est en train de canner. Il y en a qui font peur quand même. Ah, oh, il boit. Oh, c'est trop mignon. Oh, il en a deux. Oh. Elle veut pas. Ah ouais, c'est un bec. Toi qui voulais une biquette. Oh non, ça fait un peu une biquette. T'as vu comment elle est? Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah, c'est à l'hôpital du Kung Fu, ils ont ça. Ah ouais? Ouais. Naoki fait pareil dans l'herbe. Ouais, parce qu'il cherche la bonne herbe. Le canadien, c'est pour faire les bestioles. Qu'est-ce qu'ils doivent s'emmerder toujours dans une cage? Bah, les veaux comme ça ils bougent pas beaucoup. Même quand tu les mets en pâture, bonjour. Ils restent à côté de leurs parents, ils bougent pas. En... C'est un bébé. Ouais. Elle est plus grosse que Naoki. Ouais. Ah, ça naît, c'est déjà énorme. Bah, t'as vu les vaches toi? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes contente madame? Oui, très contente. Vous êtes passé super MP. J'aimerais bien qu'il vienne là. Non mais s'il s'intéresse toute sa vie, il viendra jamais là. Il voulait pas qu'il vienne. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, mais bah, localement, c'est quoi hein? Par contre, c'est quelqu'un qui rentre. C'est une fille? Ouais. Oh, il est trop mignon, lui, le voit. Moi je veux dire, il y a un grand chien là-bas, mais non, c'est un poney. La Bulgarie, le mot euro, ce n'est pas un mot bulgare, ce n'est pas un mot français, ça vient de quel pays? Va-t-il venir nous, nous voir un jour? Viens, tu vas te décider ou ouvrir toi? Ah, il y a sa maîtresse là-bas, il faut. Ah, est-ce que je peux m'approcher un peu? Oh là, t'as peur de où? Ah non, bon, ils s'en foutent carrément de moi. Hein. Le prix de 4 chevaux, 8 jeunisses, 2 vaches en première lactation. Et on va demander le jingle directement. Pour désigner ce prix de championnat jeune. Allez, on encourage notre juge, on est au milieu de ce concours.
qu'elle va être la championne jeune de ce concours Normand-Abrilès 2024. Allez, on tape, on encourage. Bonjour, il s'agit de Passera, cette fille de Montblanc qui appartient à la Reine des Grands, pour l'applaudir bien fort. Donc, une championne jeune. Hein? Elles veulent pas. Après, je dis pas, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je l'ai mis sur le pied, c'est une vache qui a l'œil. Mais néanmoins, par ses qualités, avec un très très bon bassin, large, long, des très Ah oui, grands, c'est lui le juge. Ouais. Ça m'amène également. Ce qui a fait la différence, si j'avais eu à choisir une réserve, j'aurais choisi la vache en premier veau, la toute jeune. Elle va se souvenir en vieillissant, c'est la souvenir dans son dessus aujourd'hui qui fait la différence. Mais une très très jolie femelle comme championne. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement, je pense. Merci. Voilà, donc championne jeune de ce concours, Passoa, qui appartient à Lorraine Le Drain et qui nous vient du Morbihan. On est donc sur le Rigochain où la plupart des vaches sont rentrées, donc le sauteur de cette section c'est les vrais élevages. Vous avez donc à la 86 Rosa, à l'ERN de la Colline, ainsi à la 96 Ravage, à l'ERN de Kerasquet, de Sierre, à suivre la 88 Rennes, au gain de Fesquer, propriété de l'ESS, gain de l'ENI. Ils font comme dans le film, un Danois, de l'ESS de la Belle, au gain de la Belle à boire. Et à 90, Gilles Poulet, Appelleret, au gain de la ville de Peublin. À la suite de cette section, nous passons donc au prix de la meilleure mamelle jeune. Donc les rachetés dans les sections meilleure mamelle doivent revenir, ainsi que au championnat jeune. Donc les premières et deuxièmes de chaque section dans les classes jeunes, vache en MP à revenir. Elle est belle la toute blanche. Ouais. Et donc à la suite du championnat jeune, nous passons donc aux vaches adultes. Donc la première section 3A peut déjà se préparer pour s'approcher du prairie une fois que les championnats sont joués. Allez, on descend. On va y aller aussi, vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est la traie. C'est ça la traie. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut mettre du produit... T'as un truc, ça fait comme un god mais à l'envers en fait. Un god. Ouais. Mais tu mets ça la tétine dedans puis ça nettoie la tétine quoi. Pour pas qu'il y ait de maladies, de mammites et tout ça. Moi je faisais ça avant. Bah dis donc, elle a l'air de pas trop apprécier. Elle a peut-être passé son air. Ouais, pas contente. Regarde, toi qui as toujours rêvé d'être un fermier, va te mettre à côté, je vais te prendre en photo. Non, j'ai déjà fait. J'ai donné. Ah, comme attends, ça qu'il attends, avait comme tracteur. Kizo. Le du coup on allait avec ma frère. Bien sûr. Ah ouais, faut mais se mettre à côté d'une roue pour voir. Taille en dessous aussi. Ça se voit pas la caméra, hein, mais il pleut à verse. Ah et puis bien il pleut là. Ah je voudrais rouler. Eh comme dans Top Gear ce midi. Ouais. Viens on va essayer ça. Non, non. Attends, comment c'est dedans? Attends, je regarde comment c'est. Oh punaise! Ouais. Mais il devait pas avoir des chiens de berger. En haut. Ah, il y en a encore? Ouais, en haut. Ouais, bon, on va aller parce voir. Que là, je voulais voir ce petit boulot avant. T'as vu la cuvalisier? Bah, tu l'avais le même avant. T'as le monstre. À la calèche de Madame Olson. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'il y a là, bon? Je sais pas, c'est tout ça là-bas. Mais ils sont où les. Il devrait avoir sûrement les chiens là-bas et puis que les gens. Puis, on va aller voir quand même. Quel tracteur Porsche? Hein? Porsche. Lequel? Oh non! Tu sais, ça change des Porsche de maintenant. Tu m'étonnes. C'était un fort 1782, c'est ça? On va aller voir là-bas. Bravo. Et voilà.
Les pavés, quand on est en talons, c'est pas très intelligent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est les chevaux. Attends, j'ai pas vu tout. Ouais, ça devrait aller. Ouais, moi les chevaux, j'ai peur. On peut aller là-bas, non? Qu'est-ce que c'est là? Et ça, à quelle heure, les chiens? Madame Olson. Regarde tout droit parce que là tu vas te scratcher.